Salut à tous, bienvenue chez XL. On va se faire aujourd'hui un petit derrière l'objectif commenté parce que j'avais envie d'en faire, parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et que j'avais envie de présenter un petit setup là du coup avec Madame Assage 23 que j'ai reçu en Black Series il y a pas très longtemps en tout cas, avec le petit Grivous également qui prenait la poussière, et Doku que je n'avais pas encore utilisé en photo, enfin, en tout cas je me souviens plus. J'avais envie d'utiliser Ventress et Grievous dans une sorte de petite battle de regard. Je me suis toujours demandé comment Doku faisait pour gérer ces deux-là. Ces deux Padawan, c'est un petit peu bizarre, enfin bon. Au niveau du setup, je suis parti sur quelque chose de très 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 sombre. On est dans une base, hein, donc une sorte de petite base, une base désaffectée comme on peut en voir assez souvent dans Star Wars, avec des fils qui pendent, vous voyez. Donc j'ai rajouté, vous pouvez mettre des petites chaînettes pour agrémenter un petit peu. J'y suis pas allé à fond sur les accessoires. Là, c'est vraiment un couloir, donc c'est ça, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup car sinon ça surcharge beaucoup l'image. Des couloirs au niveau des murs, donc j'ai utilisé des cagettes, d'accord, donc trois cagettes, vous pouvez trouver ça dans vos magasins de légumes préférés. Moi je les ai pris, vous attendez patiemment qu'ils les jettent ou quoi que ce soit, et voilà, ça vous fait des murs type sci-fi. Vous pouvez les utiliser aussi également dans des setups type alien, hein. Ça passe également très bien. Donc là j'ai mis la lumière pour qu'on puisse mieux voir les détails, mais ce sera une ambiance assez sombre avec une lumière qui sera juste au-dessus des trois lascars. Je travaille en lumière très basse pour ce shoot. Vous voyez, donc cet angle, ce sera l'angle utilisé pour la photo, d'accord. Donc on verra ça tout à l'heure, je vous mettrai le shoot. Pour ce qui est de l'ambiance au niveau de la lumière, comme je vous dis, c'est de la lumière très très basse, donc je travaille avec un petit ring light qui est en version très très basse. Donc là, bon, il est bleu, effectivement, mais il sera vraiment très très bas. Pour ajouter un petit peu de lumière orangée derrière Grievous, donc ça c'est ce que vous pouvez trouver, je pense que ça vous devez connaître. On peut trouver ça dans les décorations de table, d'accord. Et voilà, ça coûte vraiment une misère, donc c'est également très intéressant pour donner une petite ambiance sans que ce soit trop agressif. Donc là j'en ai mis 4. Pour en mettant que vous voulez, hein, d'accord. Donc le but c'est vraiment de donner des petites touches par-ci par-là d'oranger. Et sur le côté droit, j'ai une petite lumière bleue, la lumière bleue qui sera utilisée pour la fumée, d'accord. Donc j'aime bien mettre toujours dans cette ambiance de couloir une petite fumée en avant-plan, au premier plan, et la fumée qui est faite avec un bout de coton. Donc je l'ai mise sur un fil de fer pour que je n'ai pas à la tenir. Avant je la tenais, voilà, et c'était assez embêtant car il manquait toujours une main. Et donc voilà, vous mettez ça sur un fil de fer, vous arrivez à la coincer, et ensuite après vous avez votre petit effet. Je vais vous montrer à la caméra, vous voyez, donc au premier plan ici là, vous allez avoir votre petite fumée. Donc voilà, vous avez un setup couloir. Très très cheap, d'accord, mais qui fait toujours son petit effet. Donc, ah oui, j'ai oublié de parler également du fond. Donc ce sera, voilà, c'est un fond noir, d'accord. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose d'assez oppressant pour qu'il y ait la lumière qui soit centrée sur les trois protagonistes. Et puis voilà, donc voilà, quelque chose de très très simple. Et puis sinon, voilà, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, je vous dis à ciao et on se quitte avec les photos. Voilà, plus tard.